Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme promis dans la précédente vidéo où je vous présentais mon hall bergère de France, je vous avais dit que je faisais une vidéo à part pour vous présenter les modèles qu'il y a dans les catalogues que j'ai acheté. Enfin, il y en a un que j'ai acheté, un que j'ai eu en cadeau dans mon colis. Pour vous montrer les modèles qu'il y a dans ces deux catalogues. Voilà, je préférais vous le montrer à part de mon colis de laine. Comme ça, ça permet de bien diviser les deux. C'est pas le mot que je voulais dire, mais bon, c'est pareil. Allez, je vais vous montrer les catalogues. Donc, j'avais reçu celui-là en cadeau. C'est les modèles capsules. C'est la collection capsule. Il y a dedans 9 modèles avec les deux nouveaux fils hiver, Louise et Sophie. Voilà. Et celui-ci que j'ai acheté au prix de 3 euros. C'était le numéro 5. Voilà, je ne sais plus de quelle date il est par contre. Je vais regarder s'il y a une date à l'intérieur peut-être. Non, il n'y a pas de date. Bon, j'ai pas de date. C'est pas très grave ça. Donc celui-là, c'est un spécial barisienne, laine barisienne 7 et 12. Voilà, donc dedans il y a 18 modèles et les explications sont mises dans 3 langues. Donc le français, le néerlandais et l'anglais. Voilà. Donc si vous parlez les 3 langues, c'est bien. Bon, mais tout au moins il y a le français dedans et les 3 langues sont dedans, ce qui permet, comme je disais dans la précédente vidéo, à Bergère de France d'éviter d'imprimer 3 livres exactement pareils dans 3 langues différentes. C'est plus économique pour eux de faire comme ça, de mettre les explications dans 3 langues dans une seule revue. Voilà, moi je ne trouve pas ça du tout gênant pour moi. Je ne pense pas que pour vous ce soit gênant non plus. Voilà, on cherche juste la page, la partie française et voilà, on se met un petit post-it. La première page française est là, la dernière en français est là, puis après on ne s'occupe pas des autres pages. Voilà, c'est tout. Donc je vais vous montrer face bureau comment sont les modèles. Ils sont très jolis, ils sont assez faciles. Il n'y a pas de grandes complications pour les modèles qu'il y a dans ce catalogue. Donc pour les débutants qui ne sont pas depuis très longtemps en train de tricoter, vous pouvez trouver des très jolis modèles à faire. Voilà, avec des points quand même assez faciles. Bon, il y a quelques intermédiaires dedans, mais sinon, je ne vois pas de grosses complications. Bon, il y a un ou deux trucs en jacquard, mais bon, voilà. Allez, je vous change le téléphone, je vous mets face bureau et je vous montre tout ça. À tout de suite. Alors, j'espère que ça va aller pour vous le montrer parce que j'ai dû mettre mon... Heureusement que j'ai un deuxième pied pour filmer. Je viens de casser mon pied. Mon pied pour filmer. Alors là, j'ai mis le grand. J'ai cassé le petit. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais bon, donc on va essayer de faire pour que ça aille. Alors, ici, c'est le capsule. Voilà. Donc... Voilà, les deux nouveaux fils. Alors, je vais essayer de, par contre, si je peux encore agrandir un peu. Oula, j'ai pas réussi à bien tout serrer. Voilà. Voilà, je pense que là, ça doit aller. Donc là, on a les deux nouveaux fils, le Louise et le Sophie. Et voilà les modèles. J'espère que ça reflète pas trop. Voilà, une petite robe, un joli pull rouille, un petit poncho, un petit débardeur jacquard, un pull en coton glaise,
pull col bateau. Une veste à torsade. Un surpull avec un bonnet à pompons. Et voilà, on a ici déjà les explications. Bon, là, c'est celui qui est gratuit. Hein. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup dedans. Voilà. Donc là, vous avez déjà les explications. Celles-ci, elles ne sont qu'en français. Hein. Voilà. Donc, à la fin. Voilà. Et ici, c'est ce que je disais, c'est les remerciements. De Bergère de France au département de la Meuse. Voilà. Donc ça, c'était celui qui nous donnait gratuitement. Et celui que j'ai acheté, alors, là par contre, alors, je suis désolée, mais là, j'essaye de m'adapter avec mon autre pied. Le téléphone, c'est plus compliqué. Je m'en suis toujours servi avec une caméra, mais jamais avec mon téléphone. Alors, le Bergère de France spécial barisienne, donc 7 et 12. Donc là, il y a 18 modèles. Donc, il vous montre d'abord les différentes couleurs qui existent dans la barisienne 7 et dans la 12. Donc, en sachant que la 12 est plus épaisse, que bien sûr, que la 7. Donc, la 7 se tricote en 6 et demi, la 12 en 12. Voilà. Donc, voilà le premier modèle. Je suis désolée pour les reflets. Un petit bonnet avec un pompon. Donc, ça, c'est un petit bonnet jacquard. Donc, niveau facilité, il y a 4B. Niveau difficulté, plutôt. Ici, j'aime bien ce pull. J'aime bien la couleur. J'aime bien le point. J'aime bien tout, ce pull. Niveau difficulté, là, il n'y a que 3B. Il se tricote en 9 et 12. Là, il vous remontre le bonnet jacquard, un petit serre-tête. Alors là, niveau difficulté, 1B seulement, donc c'est très facile. Un petit gilet qui se tricote en 10-12, donc un truc à faire rapidement. Voilà, un pull pour homme. Rayé, un petit bonnet et le snood avec des torsades, ici un pull, alors là ils mettent 4B niveau difficulté, bon je trouve pas qu'il soit compliqué, hein. C'est juste des points de jersey et points de mousse. C'est peut-être au niveau de l'assemblage. Je sais pas. Là, une écharpe et un serre-tête. Donc là, c'est un B seulement. Donc là, c'est à faire une aiguille circulaire. Avec le pompon qui se clipse. Encore un bonnet et un snood pour monsieur. Toujours une écharpe et un bonnet. Alors ici, il nous montre des kits de coussins à broder. Donc, il nous montre qu'ils vendent ça dans la boutique.
Donc, ceux-là, ils se font au point de croix, ou au demi-point, demi-point. C'est joli, ça. Là, un gilet. Mais c'est là, je ne sais pas pourquoi maintenant, c'est la mode de faire des vestes ou des gilets, mais qu'il n'y a pas de bouton, qu'il n'y a pas de fermeture. Là, c'est le pull que je vais faire à chouchou. Donc, j'ai oublié de commander, c'est les boutons d'épaule. Mais bon, ça, c'est rien. Je vais en trouver facilement. Ou peut-être que moi, j'en ai dans mes boîtes. Vous voyez, c'est les boutons comme ça, en métal, brossé. Voilà, ils vous montrent aussi leur broderie qu'ils ont. Donc ça, on les retrouve, mais dans la boutique. Il vous remontre la barisienne. Les petits modèles enfants. Alors, ceux-là, c'est des modèles. Alors, ça, ils ne sont pas dans le livre. Ils vous montrent. C'est des modèles qui sont à télécharger gratuitement sur le site. Voilà. Bon, là, c'est pareil. C'est des accessoires que l'on retrouve sur le site. Moi j'ai ça, j'en vendais moi ça, mais j'en ai plus. C'est super pratique. Les compteurs de doigts. Voilà. Ils vous montrent avec les références les articles qu'on peut retrouver hein, dans leur boutique. Et ici maintenant, les fiches créatives. Donc, les petites explications, hein, les cotes 1-1, le jeté, la main glissée, le point mousse, le point de riz, voilà, le jacquard, sur G, le sens inverse, la double diminution, diminution à gland, augmentation, jersey en vert, voilà. Montage extensible, rabat des mailles. Voilà, là, ils expliquent tout ce qu'on peut faire. Les boutonnières, les torsades, la couture à poids arrière, la couture invisible. Ça, c'est celle, c'est pareil que je vous ai montré en vidéo, que je vous ai fait un tuto. Des petites astuces. Et voilà. Et là, on arrive aux explications. Donc, voilà. Donc là, on a toutes les explications en français jusqu'ici. Voilà. Et après, c'est les explications en néerlandais et en anglais après. Voilà. Et à la fin du livre, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est le néerlandais. Vous pouvez vous abonner pour recevoir les livres de modèles de Bergère de France. Vous voyez. Vous recevez 15 magazines, 2 best-of et un catalogue de création avec son cahier de fiches créatives. Alors, pendant un an, au lieu de 79,50 €, ça revient seulement à 35 €. Donc c'est pas mal. Ça revient beaucoup moins cher, mais là vous recevez tous les livres. Et voilà. Donc voilà les 2 livres que je voulais vous présenter. Alors désolé, du coup on va pas se revoir là parce qu'il faut que je redémonte le pied. Je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai pété la vis. Je vous montre. Alors, attendez. Voilà, le deuxième pied. J'ai pété ça. Voilà. J'ai cassé à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sens plus mes forces. Bon, ça fait un moment hein, que je l'ai, celui-là, pied. Mais regardez, voilà. Hop. Hop.
Bon, tant pis. Je vais demander quand même à Chouchou qui regarde. Bon, c'est pas le grand bricoleur, mais bon, peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Je vais essayer de regarder aussi. Mais bon, c'est rien. Je vais finir l'installation sur mon grand pied que j'ai là. Bah, attendez, ne bougez pas. Alors voilà, heureusement que j'ai celui-là, pied, vous voyez. Celui-là est costaud, hein. Là, on peut y aller. Celui-là, il monte à... Je peux le monter jusqu'à près de 2 mètres de hauteur. Donc celui-là, pour le casser, je vais... Il faut y aller, je pense. Mais je vais... Là, j'avais fait en vitesse. Vous voyez, j'ai pas mis tout... bien la vis. J'ai été très, très vite pour finir la vidéo. Donc, voilà. Bon, voilà. Je vous finis. Téléphone à la main, quand même, pour vous dire un petit bisou. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée, là, ça bouge. Hein, je suis à la main. Et on se retrouve donc très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Et pour les prochains colis, rapidement, j'espère. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Le week-end arrive. Les concours sont toujours en route. Les tirages au sort vont bientôt arriver. Donc, n'hésitez pas à participer aux deux concours si vous ne l'avez pas encore fait. Et maintenant, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un bon week-end. À bientôt. Bisous, bisous.